Fresh Kid Z, Fresh Kid C, yes, sir. Fresh Kid P, Fresh Kid T. Oh yeah, we back. Oh, and Zafoon, by the way. Ouais, donc là franchement c'est juste énorme ce qui vient de se passer parce que enfin la fausse Ada Wong quoi est morte. Et donc là ben justement ça fait bizarre parce que du coup j'ai l'impression qu'il n'y a plus d'histoire du fait que la fausse Ada Wong est morte. Donc maintenant je reste un peu dans... Oh t'as juste à voir, hop voilà, prise de catch. Je reste un peu dans le doute complet, quoi, hein, qu'on peut dire. Parce que... Allez, jusqu'à maintenant, je savais un peu ce qui allait se passer ou quoi. Je pensais que nous, on allait mourir, mais en fait, non. Et je me doutais peut-être un peu d'un truc ou... De quelques trucs ou quoi dans... Allez. Dans cette campagne, mais... là, maintenant, je suis vraiment dans le doute complet. Juste à proximité de votre position. Les images satellites indiquent qu'ils s'apprêtent à tirer des missiles sur la terre ferme. Vous devez absolument les empêcher de lancer le moindre missile. Votre haine pour Simmons vous a poussé à détruire le monde qu'il avait créé. Mais c'est votre conscience, Carla, qui vous a perdu. Après tout, c'est pour ça que je suis impliquée. Quel dommage. Si vous aviez juste cherché à vous venger de Simmons, je vous aurais aidé. Vous savez ce qui restera de ce monde.
Désolé de briser votre rêve, mais vous n'êtes qu'une contrefaçon. Rien de plus. Repose en paix, Carla. Bah voilà ce qui arrive quand on a une soirée trop arrosée, on vomit, bah ouais, voilà. Non mais franchement, qui se doutait qu'elle allait se réveiller de nouveau? Moi franchement, ça m'étonnait pas du tout quoi. Mais de là à ce que se transforme en un gros vomi et qu'elle nous attaque... Oh, il y a une pièce bleue. Et qu'elle nous attaque là comme ça, franchement, je m'y attendais. Mais vraiment pas du tout. Mais voilà quoi. Je sens que le boss de fin qu'on devra battre, c'est un peu ce gros vomi déchetteux quoi. Et ah purée. Ah mais non. Ah vas-y, maintenant je suis pris dans le vomi quoi. Franchement, ça me fait trop penser à un vomi qui traverse les murs. Je sais pas, c'est un tas de vomi. Je sais pas, j'ai appelé ça vomito. Pour finir, parce que... Moi, franchement, ça me fait trop penser à un tas de vomi, ça. Je sais pas, regardez comment est-ce que c'est visqueux. C'est un gros tas de vomi. Bon, allez, tant pis, on y va en mode... j'ai un vomi à mes trousses, donc faut que je me casse. Oh, du vomi. Il y a du vomi partout, là, 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 là. Tant pis si elle prend une demi-heure à ouvrir une porte, quoi. Franchement, si vous regardez la vidéo quoi, en titre de vidéo, je vais mettre se faire pourchasser par un vomi quoi. Oh putain, c'est quoi ces saloperies quoi. Franchement, comme titre de vidéo, j'ai trop envie de mettre pourchasser par un vomi. C'est trop ça quoi. Oh mais, oh où est-ce qu'il faut aller maintenant? Allez, il y a du vomi partout, on comprend plus rien quoi. Franchement, c'est tellement dégueulasse. Franchement, à la base, Resident Evil, pour moi, c'était un jeu de zombies. Là, ça ressemble même plus à des zombies, quoi. C'est du vomi. Oh, en plus, si on se fait attraper... Ouais, et franchement, elle tourne bien vite, la manivelle, là. Elle est dopée... je sais pas quoi, là. Je sais pas si comme vous êtes demandé pourquoi est-ce qu'il y a eu un temps de... de décalage avant qu'elle ferme la porte, mais... Ah mon dieu. Un visage de vomi. Ah mais pour du vrai, on dirait qu'il y a du vomi partout. Oh oui, explosion en masse. Tout ce que j'aime. Allez. T'sais, t'as la femme qui tourne la porte, enfin qui tourne la manivelle à 100 à l'heure quoi. Par contre, je me suis toujours demandé dans cette campagne, parce qu'on est tout seul, hein, bien sûr, si on joue à deux, quel personnage joue l'autre personne? Enfin, à part un. Oh purée! Oh non, vas-y, je vais me faire attraper par un vomi. Oh, vas-y, quoi. Ah, mais c'est complètement dégueulasse. Je sais pas, mais moi, pour l'autre personnage, je me demande si c'est... Enfin, quel personnage c'est. Mais, d'après ce qu'on peut voir, allez, en commençant à jouer, ça pourrait s'agir... Oh, mais vas-y, quoi, on se fait tout le temps attraper par là. Ça pourrait s'agir d'un... d'un soldat, quoi, hein. Oh purée, oh voilà. Oh, tire-lui dans les yeux. Tire-lui dans les yeux. Oh, dans le nez. Oh, bah là, ça ressemble plus à un tas de vomi. Ah, mais en fait, je suis con. Oh, mais je suis con, moi.
Oh, mais c'est pas possible. Et j'étais allé dans l'enthousiasme. Ouais, vas-y, on va lui tirer dans les yeux, ouais. Que finalement, je tire dans les yeux, dans la bouche et tout. Que je raconte n'importe quoi, que je fais n'importe quoi. Non, moi je m'en fous, je me ferai jamais. Bah, finalement, je pense que c'est un peu obligé de te faire attraper par les bras ici. J'étais un peu là-dedans et tout, dans l'enthousiasme. Que en fait, fallait tirer sur les bonbonnes là. Ouais, explosion en masse. Oh putain, ça explose même pas quoi. Et ça sert à quoi ça aussi? Je pense après on devra mettre du C4 dessus. Enfin, je pense, hein. Hop. Ouais, bah en fait, j'ai plus beaucoup de balles, hein. Qu'on remarque. Mais je pense en fait ça va être un genre de boss complètement invincible et qui est un vomi invincible quoi. Franchement ça me fait trop penser à du vomi, j'arrête pas de le répéter que c'est un vomi, mais oui c'est un vomi. Oh non, oh, enfin oui, allez, oh non non non, non tant pis, je me fais tuer, allez, non, oh mais moi je voulais tirer dans le truc. Hop. Non, je voulais tirer dans les bouteilles d'hélium ou de carbone ou de je sais pas quoi. Hop, tu m'auras jamais, saloperie. Oh putain, en plus elle sort again quoi. Bon. Ça va pas être chose facile. Hop, ouais. Non, le truc qui sert à rien quoi. Ah mais en fait je pense il y a certains. Ah voilà, ok. Faut tirer dans les trucs là, je pense. Dans ses yeux. Je pense que c'est un point faible, les yeux. Regardez, Gilbert Montagnier. Enfin, non, quoique Gilbert Montagnier, lui, c'est plus son point faible, ça. Mais comment se coupe-tu? Allez, je sais pas, moi. Y a aucun moyen de buter. Hop. Hop, ah peut-être qu'on va créer un passage en tirant là-dedans à chaque fois. Ah bah non, parce que ça... Ah bah voilà. Faut être plus malin, faut être plus malin. Ah bah elle a perdu un œil, donc faut peut-être lui tirer dans l'autre œil. Après elle va devenir aveugle comme Gilbert Montagnier. Je sais pas pourquoi Gilbert Montagnier, il y a tout le monde qui dit que c'est un aveugle et tout, pourtant il chante bien et tout. Je sais pas, il a rien fait qu'on fait tout le temps des blagues là-dessus. En plus j'aime bien faire des blagues sur lui quoi. Ah mais non, du coup il a récupéré un autre œil. Hop, 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 le but. Hop, ah oh, mais non, mais c'est impossible, c'est impossible. Il y a certainement un truc là, il y a une arnaque. Comment est-ce qu'on la bute? Peut-être que si on tire des trucs là, parce que allez, voilà quoi. Peut-être qu'il y a un truc à faire là comme ça. Hop. Ah purée, mais elle se regagne tout le temps. Mais c'est impossible, c'est impossible. Comment est-ce qu'on fait là? Oh là là, il y a un... Oh. Pour moi, il faut buter tous les concons là, comme ça là. Je pense que c'est la solution au problème. Quoique non. Franchement, je vous dis... je pensais que ça allait être cool et tout, mais là, je galère un peu à trouver la solution. Je vous jure que... Comment est-ce qu'on peut l'éliminer? Parce que du coup, moi, je vais utiliser toutes mes balles.
Mais c'est impossible. Attendez, on va tester ça. Oh là 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 là. Ah, je sais. Ah non, en fait non, je sais pas. Attendez, attendez. Hop. Je pense en fait quand elle fait ça, en fait, faut lui tirer dessus parce que ça a détruit quand elle a pu ses yeux en fait. Et là du coup faut... Oh non non non. Faut essayer de tirer là-dedans. Faut essayer... Oh non, j'ai plus de balles. Non. Oh là là, oh là là. Oh, j'ai trouvé la solution en plus. J'ai trouvé la solution. En fait là, il faut essayer de tirer là-dedans. Avec un peu de chance, ça peut toucher la bonbonne qui est là derrière. Ah voilà, enfin. En plus ça fait une super grosse explosion. Enfin j'ai trouvé quoi, parce que... Oh là là, c'était vraiment... légèrement embêtant quoi, parce qu'il y avait même pas d'action et tout, c'était juste un tas de vomi qui était devant nous quoi. Et quand on l'a tué? Bon bah je pense bien hein. Bon bah s'il y a bien une leçon à tirer de cet épisode, je pense même, vu qu'il dure 37 minutes, ouais bon je vais faire allez, deux épisodes de ça. S'il y a bien une leçon à en tirer, c'est que si vous allez une soirée super arrosée, que vous vous prenez une guinze de malade, une cuite d'enfer, que vous êtes complètement bourré, surtout si vous vomissez, nettoyez-le tout de suite. J'arrive même plus à parler quoi. Nettoyez tout de suite votre vomi parce que un vomi peut vous tuer. C'est le truc complètement stupide quoi. Non mais méfiez-vous de votre vomi. C'est un être potentiellement mortel et qui peut vous tuer et tout. Enfin, je dis de la merde. Bon bah vous, j'espère que vous aurez aimé cet épisode, ce chapitre. Allez. N'hésitez pas à commenter pour donner votre avis. Abonnez-vous si ça vous fait plaisir. Faites la fête. Sans faillite ici. Dédicace à Raskan. Et j'inviterai dans le prochain chapitre. Et j'ai plus rien à ajouter. Donc je vous dis ciao et à la prochaine.